Comment s'appelaient les trois navires de Christophe Colomb? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de L'Océan Thume de Régent Ducharme. Si vous ne connaissez pas Régent Ducharme, allez voir dans ma capsule sur Inespéré et Inattendu. Je fais une petite présentation biographique. Je connais bien plusieurs de ses œuvres, mais une que je n'avais pas encore lue, c'était L'Océan Thume. On dit que c'est le premier roman qu'a écrit Régent Ducharme, même si Gallimard a décidé de publier d'abord en 1965 La Vallée des Avalées. L'Océan Thume, c'est raconté par Iode Souvi, la fille de la reine Ina Souvi, 39, d'origine crétoise et d'un père hollandais, Van der Leyen. Ils habitent sur une île au confluent de la rivière Waro et du fleuve Saint-Laurent, dans un steamer échoué qui a été bétonné. Le jour de la naissance d'Iode, sa sœur aînée, Ina Souvi, 39, est morte en protégeant leur frère Ino. La reine Ina Souvi, 38, elle est complètement amère. Elle devient une alcoolique, Ina Souvi, et elle néglige ses enfants. Ino est innocent, il ne parle à peine, il ne marche pas, il ne fait que se traîner, et Iode est ni plus ni moins laissée à elle-même. Elle a 10 ans et le roman commence quand la voisine d'en face déménage et emménage une famille finlandaise avec 8 grands frères, blonds, tous pareils, et une petite fille de 8 ans, Asie Azote. Tout oppose les deux fillettes. Iode a les cheveux noirs, Asie est blonde. Iode est toujours dépeignée, porte des vêtements sales et souvent nu-pieds. Asie Azote est toujours bien mise dans sa robe toute blanche, toute propre et ses petits souliers vernis. Iode est mauvaise à l'école, elle refuse d'apprendre et elle a le niveau de première année, alors qu'Asie Azote, elle est première de classe. Au tout début, Iode est absolument cruelle avec Asie Azote, elle la déteste. Les deux fillettes deviendront inséparables et Iode entraînera Asie dans tous ses mauvais coups. Ensemble, elles permettront à Ino d'apprendre à parler. Elles lui permettent aussi de se mettre à marcher et tous les trois rêvent de marcher tout au long du littoral américain jusqu'à la Terre de Feu. Le voisin s'est acheté un troupeau de gors. Les gors, c'est ça. Quand l'hiver arrive, deux gors sont retrouvés morts, congelés. Si bien que les deux petites filles se mettent à prendre soin des gors, ils finissent par kidnapper le troupeau et à l'amener dans la cale du steamer où il fait chaud. Quand elles se font attraper, Iode se fait envoyer en maison de correction. Asie dit qu'elle était tout aussi coupable qu'Iode, mais évidemment, personne ne veut croire la gentille et jolie Asie Azote. En maison de correction, Iode fait la rencontre de la psychologue, faire des mains. Elle développe une amitié, une grande complicité. Elles s'enfuient toutes les deux, elles prennent l'avion vers l'Europe, l'avion s'écrase et elles se retrouvent en France où elles errent à récolter un peu d'argent pour pouvoir revenir à la maison. Et à leur retour, d'autres aventures entre les trois enfants se poursuivent. On retrouve ici plusieurs thèmes qui sont chers à Ducharme, des thèmes et des motifs qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Il y a par exemple l'image du double. Bérénice Einberg, Constance Clore, Inespéré, Inattendu, Mille Châteaux Gais. Donc très souvent, les univers de Ducharme fonctionnent en double. Ici, on a les doubles complètement opposés, Asie Azote et Iode Souvi. On a le thème dominant de l'amour qui est tellement fort, qui devient violent, qui est l'amour qui fait mal. Il y a un moment où Iode dit, dans la narration, qu'elle voudrait tuer Asie Azote parce qu'elle l'aime trop et qu'elle n'aime pas la dépendance dans laquelle ça la place. Donc l'amour de l'autre, c'est un amour qui veut englober complètement, qui veut détruire l'autre. L'amour s'exprime parfois aussi par des mots, des insultes qui sont utilisées comme des mots d'amour, que ce soit grosse vache dans Inespéré, Inattendu, ou grosse valétudinaire ici. La littérature de la décennie 1960 est aussi marquée par un jeu de langage. Dans L'Océan Thume, on a moins un jeu de mots après l'autre, comme un feu roulant, moins que dans la pièce de théâtre Inespéré et Inattendu. Au fur et à mesure que le roman avance, il y a un plus grand jeu linguistique et langagier, mais c'est quand même écrit dans un français standard, correct, avec quelques néologismes, avec quelques jeux, quelques emplois particuliers de la langue, mais c'est surtout des images très, très fortes et très percutantes qu'on a. En fait, néologisme, par exemple, les deux fillettes inventent le terme « la milliarde ». La milliarde, c'est tout ce qui concerne la société qui veut qu'on se conforme et qu'on devienne comme les autres. Et ça aussi, c'est un thème très présent chez Ducharme. Toutefois, le thème principal de L'Océan Thume, c'est celui du voyage. Les Souvi habitent dans un bateau. Il y a un épisode en avion, en montgolfière. Il y a un voyage en France. Le voyage est un thème dominant et avec lui, la géographie et l'histoire. Le thème du voyage est souvent présent chez Ducharme. En fait,
Il y a soit le terme du voyage, soit le terme de l'enfermement. Bérénice de la Vallée des Avalées, voyage inespéré, inattendu au début de la pièce, reviennent d'un tour du monde. Et par opposition, Mille-Mille et Château-Guy sont enfermés dans le Néquivoque. André et Nicole, la même chose dans l'hiver de force. Ici, on a le voyage qui est très présent, mais l'enfermement, soit dans la maison de réforme pour Yod, soit l'enfermement dans le retard mental pour Ino. La géographie a une part importante ici, parce que les noms exotiques, les noms des autres lieux, c'est ce qui fait parler Ino, c'est ce qui fait rêver les fillettes. À un moment donné, Yod dit, alors qu'elle est à la maison de réforme, j'ai dessiné au crayon rouge sur un mur de ma niche un petit Brésil et un gros Nicaragua. De la même couleur, sur un autre mur, je trace un Mexique qui couvrira ce mur en entier. Je le constellerai de noms de villes imaginaires au crayon vert. J'ai mal à la tête. J'ai une écharpe plantée dans chaque pore de mon visage, ce qui fait couler un sang rose et acide. Dans cette citation, on a, oui, la géographie qui fait rêver, mais que le personnage se réapproprie en changeant les dimensions, en inventant des nouveaux noms de villes. On a aussi les jeux sur la langue, donc des rimes internes, ce qui revient souvent, donc les villes imaginaires au crayon vert. Des images percutantes d'une grande violence quand elle dit « J'ai une écharpe plantée dans chaque pore de mon visage ». Ouch! Plusieurs éléments qui sont caractéristiques de l'océan Thume. Il y a une chose que j'ai trouvée, par exemple, assez singulière. Le roman n'a pas été accepté par les éditeurs québécois et a été publié chez Gallimard en France. Il y a eu quelques moments où je me suis dit je serais curieux de voir ce que disait le manuscrit original. Par exemple, elle dit qu'elle est sortie dehors en plein hiver sans ses moufles. Les mitaines, ou que les deux fillettes ont traversé une congère de neige. Nous, on dit un banc de neige, même que pour moi, moufle et congère, c'est des exemples typiques de comment il y a des différences lexicales entre le français d'Europe et le français d'Amérique du Nord. L'autre passage que je veux vous lire combine une légèreté de l'enfance avec des vérités assez profondes. Iod raconte à Asie Azod diverses aventures qui lui sont arrivées avec Fairfair en France. Mais Asie veut tellement savoir qu'Iod doit inventer des aventures et Asie Azoth lui dit « C'est faux, tu ne mens pas effrontément. » Elle se lève, elle s'enflamme, elle est dans tous ses états. « Tu dis cela parce que tu ne me fais pas confiance. J'ai cru tout ce que tu m'as raconté, Iod Souvi. Sache que pour moi, il suffit que tu racontes ceci pour que le contraire soit moins vrai. Ce qui te semble assez vrai pour que tu me le dises est toujours, pour moi, plus vrai que ce qui le nie. Sache-le. Continue, n'aie pas peur que je manque de foi. Il n'y a que ce que tu inventes, que ce que tu crées. Le reste, ils sont des milliards à se l'arracher, à le violer tour à tour. Comprends-tu ce que je veux dire? Ici, chaque chose a été utilisée plusieurs fois et toute la place est occupée. Ici, rien ne nous attendait. Nous avons dû nous accueillir nous-mêmes. Ici, on ne peut que survivre et il faut pour cela se vêtir des dépouilles d'un autre. Je veux dire, un bœuf ne peut pas tracer ici de sillon qu'en se laissant atteler à une charrue qu'un autre bœuf a tirée jusqu'à son enterrement. Ici, il faut tout acheter ou voler. Les coupes-ongles comme les coupes-papier, les coupes-légumes comme les coupes-cigares. Ici, on ne peut rien faire sans demander la permission à un autre et on ne peut avoir quoi que ce soit sans se le faire céder par un autre. Ici, nous devons nous rendre immobiles et invisibles par égard pour les autres et nous finirons par devenir immobiles et invisibles par rapport à nous-mêmes. C'est beau. Des grandes envolées, ponctuées par le « ici », la fantaisie qui est plus importante que la réalité, parce que la réalité elle nous oblige à nous conformer à être un bœuf qui prend la place d'un autre bœuf pour tracer le sillon. Donc des images, encore une fois, fortes, une langue belle, des vérités quand même percutantes et d'une certaine violence. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, je trouve, est touchant et témoigne de ce qu'il y a dans cet océan Thume. Alors, selon l'histoire, justement, les trois vaisseaux de Christophe Colomb s'appelaient la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Selon Yod Souvi, les trois navires de Christophe Colomb se nommaient l'Océan Thume, la Mer Thume et le Thumérion. Pour savoir pourquoi l'océan est lié à la Mer Thume, vous allez devoir lire le roman, et ça, jusqu'à la toute fin. Et voilà, c'était mes impressions de lecture de l'Océan Thume de Régent du Charme. Vous, c'est lequel votre du charme préféré? Écrivez ça dans les commentaires en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne lecture!